Est-ce que ce serait pas YouTube qui a cliqué sur la saison 3 du Général Grocon ? Bien sûr que oui, vous êtes au bon endroit si vous voulez retrouver Général Grocon et les bronzos. Bien entendu, vous savez que le Général Grocon, c'est pas gratuit hein, de le ramener. Hein. Ah non, non, entraîner des bronzes, c'est pas gratos. Donc, heureusement, j'ai mon partenaire Instant Gaming. Oui, heureusement, lui, il ralasse, heureusement. Et il vous ralasse aussi parce que il y a le giveaway. Nouveau giveaway, puisqu'on est en début de mois. Nouveau giveaway, pour tenter de gagner un jeu gratuitement, vous cliquez sur le lien en dessous. Si vous passez par ce lien, ça va traquer. Et si vous achetez des jeux par ce lien, vous me soutenez directement. Et directement, le Général Grocon. Voilà. Non, mais je vous le dis comme ça, d'accord? Donc tout est dans la description. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Bonne vidéo. Soldats, bonjour à tous, gare à vous. Ah oui, repos, vous pouvez reposer, c'est bon. Je suis le Général Grocon, ceux qui ne me connaissent pas, bien entendu, de l'équipe Bronzos Unité d'élite. Alors, vous m'avez appelé pendant longtemps, j'ai reçu plein de messages de votre streamer, Dai. Il m'a bien pété les couilles. J'ai pas que ça à foutre de vous entraîner. Vous l'avez compris, vous êtes silver, vous êtes des merdes, mais je peux prendre un peu de temps pour vous faire step up. Donc je suis venu aujourd'hui et j'ai préparé des exercices. Ce que vous voyez là, on va en parler. Ce soir, nous allons faire 4 parties avec une équipe déjà constituée. Le chat, je vais avoir besoin de vous. Vous savez pourquoi? Car à la fin, vous allez élire le pire bronzos de cette session. Je vais récupérer les pires, les plus nuls de ce jeu vidéo pour en faire à la fin une équipe, une squad. La pire squad jamais créée sur League of Legends. Il va y avoir quelques exercices, je l'ai prévu, des codes, notamment le code rouge, mais j'expliquerai ça après. J'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur un de nos bronzos qui était à l'époque. Nous sommes sur le soldat Mancho. Vous le connaissez peut-être si vous avez vu les rediffusions, le soldat Mancho était d'un niveau catastrophique et je suis tombé sur son historique. Eh ben, je vois que mon temps sert à quelque chose. Il y a 17 morts par game, un véritable fumier. Normal game dans tous les sens, il n'y a rien qui va. Rien qui va, c'est incroyable. 23 morts par game, non mais c'est pas possible. Bon, bref, vous voyez, soldat Mancho, je l'ai gardé dans un petit coin parce que lui, à mon avis, on va le récupérer d'ici pas longtemps. Bref. Alors, j'ai déjà choisi quelques personnes qui étaient là cet après-midi et qui m'ont ajouté. Car j'ai demandé à ce qu'on m'ajoute, j'allais pas vous ajouter non plus. Et ils sont sur Discord. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes tous dans la salle d'attente. Il y en a 5 dans les bronzos, on va aller voir ça. Soldats, gardez-vous. Vous êtes là. Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5. Ce qu'on va faire et donc on va lancer des normal games, bien entendu. J'aurai des exercices à vous faire faire. Mais avant ça, on va regarder un petit peu ce que vous valez. Alors, Rekshan. Oui, je suis là. Eh bien, racontez-moi votre vie un petit peu. Oh mon dieu, je suis sur votre historique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, je suis un OTP Rek'Sai, mais j'ai changé mon parcours. Je me balade un petit peu en lane top, au mid, en support et en bot. Mais je reste à mes racines, comme mon pseudo l'indique. Donc vous pensez que League of Legends, c'est juste cueillir des paquerettes, hein, puisque vous faites tous les rôles en même temps, car vous pensez avoir le niveau, j'imagine. Hein. 15 morts par game, il y a quelques games, c'est ok, 16-8, 4-0, 3-14, j'espère que vous allez être un petit peu plus fort que ça ce soir. Vous allez bien entendu en jungle ce soir, hein. Vous m'avez dit jungle, donc vous irez en jungle. Soldat Rem, vous êtes là? Bonsoir chef. Bonsoir soldat, qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes bronze 4, ok, vous êtes tout en bas de l'échelle, super. Alors, vous jouez support, c'est ça? Ouais, Senna, parce que c'est un bon champion. C'est un bon champion, mais pas entre vos mains, hein, ça se voit, hein, vous avez 10 morts par game, c'est vraiment incroyable d'être aussi mauvais. Comment vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question que je me pose et je suis là pour... Ah ouais? Vous posez pas mal de questions à ce que je vois, hein, c'est sûr. Hein. Yumi Everfrost, moi aussi je me pose quelques questions. Très bien, bon... Ok, encore un bon cru tout ça. Soldat Ruktar, bronze mid, vous irez où? Bronze mid, non, vous invitez? Vous m'avez dit au top. Ok, donc là vous êtes... Vous jouez où? Je joue mid et top. Le mid et top. Et support à mes heures perdues. Et support à vos heures perdues. Ouais, vous êtes complètement perdu, vous avez 15 morts par game en Aram, c'est super. Et il y a le soldat Hazel. Le soldat Hazel, vous êtes là? C'est moi, bonjour. C'est vous, bonjour. Vous êtes bronze 2, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Et vous jouez ADC, très bien. Et vous faites que des normal games. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous montez pas? Bah si, justement, j'ai pop faire 1 et je suis monté bronze 2. Ah, j'ai stagné bronze 4 pas mal de temps. Et après, je suis monté grâce à un mate support que j'ai trouvé et on joue vachement bien ensemble. Ok, racontez pas votre vie. Mais le truc, c'est que ce que je remarque là, c'est que vous étiez en fer et vous m'avez dit que vous étiez monté d'un coup en bronze. Vous pensez que c'est haut, bronze? Eh bien, nous sommes partis. Je vous explique ce qu'est le code rouge. Qu'est-ce que c'est le code rouge? Le code rouge, c'est très simple. Lorsque je dis code rouge, vous ne devez plus apparaître sur la map pour vos adversaires. Est-ce que c'est compris?
Oui. Oui, chef. Bien. Alors, qui va prendre le lead? Soldat Rekshan, vous allez prendre le lead. Et par la suite, on va changer de lead, ce qui ne veut pas dire que les autres n'ont pas le droit de parler. Soldat Rek, quel est votre plan de jeu? Racontez-moi un petit peu, là. Je vais farm niveau 3. Ouais. Et je cours au top. On va commencer les hostilités. Soldat Rektar. Soldat Ward. Votre TP, enfin le TP oui. En général, à combien de oui. minutes on peut TP sur les minions? Comment ça, à 14 minutes. Bien, c'est bien. Non, c'était simple. La question était simple. Bien, bien. C'était pour savoir un petit peu votre niveau, ce qui est très important. Nickel. Très bien, ça se tient, ça se tient. Soldat Rekshan, vous êtes très agressif. C'est bien joué. Vous êtes malheureusement mort, mais c'est bien joué. Faites attention, Soldat Rekshan, parce que de trade kill, vous trade killez pour votre allié. N'oubliez jamais que pendant la guerre, vos alliés sont nuls à chier. D'accord. Donc évitez de mourir pour donner des kills à vos alliés. Ce sera pas très worse. D'accord. Ok. Bon, mid lane. Est-ce qu'elle a flash tout à l'heure, Soldat Rekshan? Non. Vous avez de la latence dans la tête ou quoi? Comment vous pourrez vous répondre 10 secondes après? J'ai réfléchi. Ah oui, vous réfléchissez longtemps, ça se voit. Ok, bon, je pense qu'il est l'heure de faire un petit code rouge, les amis. Un petit code rouge, soldat, code rouge, vous devez sortir de la range visuelle. Soldat Rektar, vous devez sortir de la range visuelle. Oui. Vous aussi, hein, vous êtes loin. Non, je voulais le farm. Oui, vous vouliez le farm, mais il y avait un ordre, il faut l'exécuter. Fin du code rouge, c'est bon, repartez sur vos lanes. Ok. Il y a plus personne à battre. Ouais. Pour le drive du coup. Ah. Yasuo est là mais toujours pas le. C'est le directeur, vous voyez. Ouais, rien, je l'ai mené en haut. Ouais, je te calme. Oh, ce Tryndamere est douteux. Il est douteux, votre vision de jeu aussi. On la voyait depuis moins 10 secondes et vous n'avez même pas. Pas décalé, attention. Oui. Indiquez-moi, hein. Si je dois bouger, vous devez m'indiquer. Hein. Moi j'ai plus personne en vis-à-vis. Ah, ils m'ont vu. C'est bien vous discuter, c'est bien. Ah, c'est dommage que j'ai pas mourir. Ah, fais gaffe. Ouais, là il y a. Oh, il y a tout le monde. Qu'est-ce que vous branlez au bot soldat? Quelqu'un me fait un rapport? Tout le monde, bot. Oui. Ils étaient 4. J'avais pingé Orianna. Et vous ne l'avez pas vu arriver, c'est ça? Qui l'avait vu arriver? Personne. Alors, littéralement, personne. Regardez vos minimaps. Dans quelques secondes, je vais probablement sévir. Voilà, les prochaines morts, les amis, vous allez faire des tours de terrain. Soldat Rekshan, continue à lead. On n'entend plus rien depuis tout à l'heure. Voilà. J'ai mourir. Voilà, c'est dur hein, de farmer et de parler en même temps, c'est très dur. Je vous entends pas, votre micro est tout aussi pourri. Oh, bah ça c'est un. Un peu kill. Moi c'était trop. Bien. Faut que je vous fasse tout, hein. Oh, du coup, là j'ai gang top. Ouais. Non, viens pas. En vrai, plutôt. Il a story ou pas? Commence l'Herald. Commence l'Herald plutôt. J'arrive. Bon code du soldat ouais, Rektar. C'est bien. Gank mid. Bien. Exécute. Eh bien, vous mettez du rythme, soldat Rekshan, pardon. Ah, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous mettiez un peu plus de war dans la jungle adverse, sachant que vous passez votre vie dans la jungle adverse. J'ai pas de vie, hein. Je pourrais pas venir. J'ai un V2. Dès que je serai pas, je peux claquer un MC si tu veux. Bien. J'ai entendu, j'ai un V2. Ce que vous allez faire, soldat Rem, vous allez vous balader ici, vous allez faire un grand tour de terrain de là à là, et vous allez repartir en botlane, d'accord? Soldat Rek, bah, vous allez faire la même chose, mais dans l'autre sens, sauf que vous allez pas toucher un minion. Et vous allez venir au mid, et ensuite vous allez reprendre votre route, voilà. À vous apprendre à littéralement feed. Quand j'entends « je peux un V2 » et que vous faites OS, je comprends pourquoi vous êtes encore à votre elo. Soldat Rem, passez en dessous, là. Passez en dessous, très bien. Et vous allez me gang, comme ça vous allez servir à quelque chose. Attention, ça décale. Il y a Shyvana et la botlane par ici. Général. Eh bien, vous pouvez repartir sur votre lane, attention. Là, ils vont prendre je viens pour le Drake ou quoi? J'ai le Drake. Vas-y. Bah, le shoot caller. Le Panthéon, je one-shot. C'est mon R. J'ai déjà entendu ça, je one-shot. Ouais, même résultat. Je vais aller sur l'Orianna. T'as un flash, Yasuo? Ouais. Bien joué l'équipe. Oui, bien joué à vous. Soldat Rekshan, c'est dommage. Vous faites un bon early et vous êtes un peu trop ambitieux dans ce que vous faites et dans ce que vous dites. Mais vous avez joué avec ça combien de fois?
Direction? Plus de 500 games. Ah oui, vous avez vraiment, vraiment, vraiment du lag dans la tête, en fait. D'accord, quand je vous réponds. Très bien. Plus de 500 games et vous ne connaissez toujours pas vos dégâts? Très bien, c'est... Bah, ouais, vivement c'est les 1500, histoire que vous soyez un peu plus fort quand même. Ok, ouais, là vous voyez, vous avez 4 morts de trop, hein. Alors que vous aviez pris un bon lead, c'est dommage. On perd la tour top. On perd la tour top, mais ce directeur, vous étiez devant, non? Oui, mais ils sont deux, je suis tout seul. Ouais, mais tout à l'heure, vous aviez des kills, comment ça se fait que vous avez perdu autant dans la tour? Il y a eu un Herald? Non, j'ai décalé mid pour... D'ailleurs, c'est pour rien. Soldat Direction, vous pouvez annoncer un petit peu ce que vous faites, s'il vous plaît? Ah, t'allais me répondre d'ici 15 secondes, j'imagine encore. Après, c'était une mission solo. C'était une mission solo, très bien. Très bien, vous pouvez éviter de faire du solo avec 4 morts, s'il vous plaît? Ouais, c'est ambitieux, dites-moi ce que vous voulez faire de plus. Mission, Heureusement que je vous suis, sinon... Je crois qu'il a son air. Il a son air ou pas, le... Je pense que oui. Ouais. Ok. Là, bah, déjà, rien qu'au vocal, je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer, là. Il y a pas... Il y a SS Mid. On peut y aller, on... Oh, non. Oh, vas-y, go. Nous on a SS chez eux. Non, c'est moi les revenus. Ouais. Vous découvrez Trinamer ou pas? Genre, vous l'avez déjà croisé ce champion? Tu maîtrises 7 Trinamer. Ah, vous êtes maîtrise 7 Trinamer. En plus, vous m'avouez que vous êtes maîtrise 7 Trinamer. Bon, bien joué. Bon, bien joué alors du coup. Donc, vous êtes fait un V2. Très bien. C'est dommage parce que Soul Direction, vous aviez plutôt un Herald à faire. Ça aurait été peut-être un peu plus judicieux. On perd la T2. On perd la T2. Comment on récupère cette game alors du coup? Quelqu'un peut me répondre? On fait les autres jours, on fait push. On fait quoi? Les objectifs. Ouais. Comment on fait les objectifs en ayant... Il va y avoir un break. Donc ça veut dire que là on va se groupe pour faire l'objectif. Moi je vous écoute. Ouais. Bah en fait il faudrait qu'on arrive à prendre le jungler tout seul. Comme ça on le tue, déjà il y a ça en moins. D'accord. Mais je vous suis. Elle est par là, chive. Elle est là, elle est au Drake les gars. J'arrive sur... J'ai mon R. De l'autre côté au cas où elle est dash. Oh merde. Oh. Ah. Ok. Passons la shockwave. Pas beaucoup de communication dans cette teamfight, mais bon, ça l'a fait. Essayez d'analyser qui est la victime en face, qui est nul. Vous l'analysez, vous le trouvez, vous le tuez en boucle. Il y a Shyvana bot. Attention, monsieur gros pont, je crois que... J'arrive là. Ouais. Vous pouvez venir. Vous sentez de venir, vous venez. Pas une ward ou pas? Il focus ce Panthéon. Ouais. SS Orianna, elle décale sur mon bot. On arrive. Ah non, c'est bon, elle est là. Ouais, on la voit. Oh dommage, j'ai pas mon R. Ok, ah merde, bonne intervention quand même. Le flash était peut-être un peu too much. Vous auriez pu en V2. Donc on reste dans cette disposition, soldat Richter, on est d'accord? Ouais, pour moi, oui. Ouais, pour vous. Ouais. Viens, viens, viens. Ah ouais. Okay. Oui, il m'a flashé. Voilà mort. J'arrive pas derrière, je pense. On va sur les zéros. Communiquer, communiquer, ouais. Communiquer. Ok. Ah, il a flash. Ok, c'est bon, je l'ai. Je l'ai pas. Ah, il me focus. Sauvez le soldat Hazel, sauvez le soldat Hazel, vite. GG. Il y a le shift toujours. Ouais, je peux pas la tuer. Ah, c'était ouais. Chaotique, mais ça l'a fait. Ils sont trois bots. Ah, ah, ah. Ils sont trois bots, vous pouvez... Discuter. Viens, 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 viens. Venez sur moi, viens sur moi. Il y a le wall, il y a le wall. Ah. Bien, voilà, discuter, ouais. C'est bien comme ça. Panthéon, on peut l'avoir là. Je l'ai. Damien, je peux pas le catch. Je vais sur la zéro. Ouais. Non, je vais pas sur la zéro en fait. Quoi, ouais, c'est bien les contre-cols. Oh la vache, elle m'a détruit la cheville. Hein. Je retourne sur la zéro. Je peux pas venir, hein, j'ai plus de vie. Je viens en mid. La trim de mer est. Ah, le trim de mer vient en mid. Maintenant, trim de mer aurait été calme. Ouais, mais je pense qu'il se barre juste. C'est un joyeux bordel, hein. Vous faites n'importe quoi. C'est dommage, il y a des débuts de call, mais après ça part dans tous les sens. Donc maintenant, dans les teamfights, je veux plus entendre personne, si ce n'est Hazel. Hazel qui va prendre le lead des teamfights, donc personne ne dit rien, mis à part Hazel. D'accord, on l'écoute, et c'est tout. Par contre, Soul Direction, vous continuez à lead la map, c'est-à-dire que vous dites ce qu'on fait. Attention, attention. Oh,
Ouais. Oh, je voulais prendre un peu de vision, mais... Bon, bah... Je pense pas qu'il y a remonté tous. Saldarem, c'est une maladie ou pas, du coup? Est-ce que c'est une pathologie, il y a quelque chose ou pas? Dites-nous. Parce que vous non, vous baladez tout nu, sans arrêt, en fait. C'est ça, le problème. Pourquoi vous vous baladez alors qu'il n'y a pas la prio? Il n'y a aucun de vos mates pour vous aider, c'est pas possible. Soldarek Shan, on a besoin de lead, on a besoin de lead, vite. On y va, allez-y. Donc là, on va tous au bot sur lui? J'ai mon R. Bah, pas tous, mais... Soldarek Shan, on a plus d'informations. Il y a flash dans le mur, il y a flash dans le mur. D'accord. Venez, mid. D'accord, bah, nous, on arrive du coup, on arrive. Merci, c'est bien aimable. Mais il a son R ou pas? On n'est même pas au courant. D'accord. C'est voilà. Dingue ça. On okay, a perdu une Nashor, c'est fou ça. Comment ça se fait qu'on a perdu une Nashor à votre avis? Il y avait personne sur la map. Une faisait diversion, je pense. Ouais. Ah. Et vous avez tous sauté dedans à pieds joints. Ok, je suis là. Soldaza, je vous entends pas. Je peux plus vous entendre, du coup, c'est dommage. Ils sont là, faut back là. Pour s'acheter des items. On fera pas de retour. C'est Soldarek Shan qui lead. S'il dit qu'on back. Oh. Soldarek Shan ? Pardon, je back. Allez, on back. Faut qu'il y ait un seul leader, un seul shoot caller. S'il y en a plusieurs, c'est la fin. Ça marchera pas. Aïe, je pense que t'aurais dû continuer ton back, tu étais presque. En retard, quand on dit de back, il faut back. Sinon, ça sert à rien. J'ai un R dans 30 secondes. Je pense que je l'aurais pas à temps. C'est bien. J'arrive, je te sauve. Oh oui, sauve-moi. Ok. Bien joué. Bien. Attention, il a son R du coup là. Ah non, même pas. Je peux utiliser. Un pause barre, ouais, là, tu t'es. Ok. Je peux pas passer de l'autre côté. Bien. Direction, vous devez lead. Lead, très bien. Fast. Allez, Yasuo. Voilà. J'ai. Bonsoir. Je pense pas qu'il devrait chase, on devrait au moins ward derrière. Faudrait que Seth il aille derrière pour sécuriser le Drake. Derrière le wall. J'ai essayé de prendre les deux liens, je viens. Allez-y. Bien. Eh bien, on a rattrapé toute la merde qui a été faite juste avant, c'est bien. Il y a Panthéon qui est sûrement encore pas. Bah non, il est là seul. Et j'y vais sur Panthéon. Vas-y, j'ai mon R. Ah ouais, mais il y a ce wall. Vraiment. Je vois plus de fond de la mer, hein. Il doit être sur vous. Les os, voilà, je suis mort. Attention derrière vous. Oh, je reviens le plus vite possible, mais. C'est un bon call, ça, du coup, de speed push. Bon, on vient de perdre de la tempo, c'est dommage. Essayez de ping, soldat Ruktar, parce que depuis tout à l'heure, en fait, vous dites des calls, on n'entend rien, et vous faites pas de ping. Si vous le voyez descendre, vous pingez. Non, on vous a pas entendu. En fait, on vous entend pas parce qu'on est dans les teamfights, donc on peut pas vous entendre. Ouais, je comprends. On est en train de shoot call, c'est dommage. Je ping la prochaine fois, je ping. Ouais, mais le solo si on va se faire. Mais si les 3 RS mid, ils vont nous voir. Au pire, allez-y. On a besoin d'un leader, on a besoin d'un call, pas d'un débat. C'est bon, là, faut faire le Nash là. Si vous voulez débattre, vous allez sur Twitter. Pas sur League of Legends. Vas-y, en plus, ils sont 4. Ils sont 4 là, on en profite. Bien. Bon, ils sont vraiment tous bots. Ils ont pas compris en plus, c'est parfait. Ok, maintenant qu'on a le Nashor, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, call vite, fast call, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Non, c'est rien, puisque vous êtes en train de mourir, c'est normal. Je suis pas certain. Oui, vite. Moi je dis, je peux me permettre. Oui, allez-y. Je pense qu'il faut tous grouper mid, et puis si on voit qu'on peut, on en met un sur les sides. Ok, on va suivre votre raisonnement, vous prenez une ligne du coup. Allez-y. Les autres, vous écoutez la lettre, ce qu'il dit. Un sur les sides aussi, pour défendre Panthéon, je vais y aller, je pense. C'est approximatif tout ça, hein. Poche mid, là. Vas-y, très bien. J'essaie de les emmener. Donc là, Soldat Action, vous en avez rien à foutre, quoi. Donc il y a littéralement Yasuo devant nous, vous êtes parti. Ah, quoi. Ils sont trois. Et Yasuo, vous en foutez. Ouais, non, il back. Ils sont un peu bêtes. On détruit l'inhib et on style. Nickel. Alors, on détruit l'inhib et on style. Là, on va tuer Yasuo. Et ensuite, on back. J'ai pêché un peu bot. Okay. J'arrive. On va chercher Jonah. Panthéon et bot, donc on est en 4v5. Enfin, on est en 5v4 du coup. Fédération, Tridile arrive. Oh là, c'était tellement cool. Bon. Il était mort, c'était sûr. Tridile disait son R. Focusez Trinda, s'il vous plaît. Ouais. Oh, bien joué. Soldazel, merci. Folder. Merci. Ah, c'est fait.
On aurait pu finir cette partie. Bon, on va faire un point, je pense. On va faire un petit point parce que c'est ce qu'on appelle communément un bordel, hein, bien entendu. Donc, on va faire un point de chacun, là. Entendu, j'honore personne parce que vous n'avez pas été impériaux. Notamment, donc, Ruktar, alors, vous regardez jamais votre minimap, j'ai l'impression. Je me trompe ou pas? J'ai un peu quand même, mais pas forcément au bon moment, je pense. D'accord, donc en fait, vous regardez les minimaps quand vous n'êtes pas sur votre lane, super. Donc vous regardez pas votre minimap, c'est ça le vrai plan. Donc la prochaine partie, on va appuyer sur ça. C'est très simple, si vous prenez un gank alors qu'on voit la personne arriver, vous allez avoir un malus, d'accord? Soldat Rekshan, alors vous, Soldat Rekshan, vous êtes abruti, vous le faites exprès, parce que à chaque fois, vous sautez dans trois personnes et vous dites, je les ai, je peux un V3 ou un V2. Ça ne marche pas comme ça, hein, League of Legends, vous le savez ou pas? Vous avez Rek'Sai, c'est un bon champion, vous arrivez à Snowball, c'était bien, vous étiez à 3-0, et vous sautez littéralement dans les gens sans avoir la prio. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? C'est la pression pour finir une game vite, c'est l'ambition. Parce qu'avec Rek'Sai, à partir de 30 minutes, le champion est inutile, que je tente des choses. D'accord, donc vous préférez tenter de hint à 5 minutes plutôt que d'aller plus loin dans la game, quoi. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Très bien, je comprends pourquoi vous êtes Silver. Va falloir être un petit peu plus, on va dire, minutieux sur ce que vous faites et sur vos all-in. Prenez plus le temps. Hein, je pense que vous voulez aller trop vite et du coup vous faites trop n'importe quoi. Et ça c'est dommage. Soldat Hazel, alors de ce que j'ai vu, vous êtes ADC. Dans l'ensemble, l'ADC, bon, c'est souvent des pleureuses, hein, des gens ne savent pas jouer. Vous avez montré quelque chose de plutôt positif. Plutôt positif. Alors, je ne sais pas si c'est le facteur Rem Ouragan, de son grand pseudo, qui fait que au bot, vous avez perdu la tour très vite et que vous étiez à 0-2-0 chacun. Mais en tout cas, dans les teamfights, vous avez shoot call, c'était pas mal. Rem, je sais pas. Rem, vous êtes chez vous là? Oui. Ouais. Il y a des gens autour de vous? Dans ma chambre, non, mais à côté, oui. Vous cuisinez pas ou vous faites pas autre chose à côté, non? Non. Vous êtes concentré à 100% là? Oui. D'accord. Ça rassure pas, mais au final, ok, bon, faites attention quand vous mettez les pieds dans la jungle adverse. Enfin, j'ai l'impression que vous allez littéralement dans le brouillard de guerre, là où on sait pas ce qu'il y a, et vous vous faites tuer en boucle. Donc, c'est dommage, c'est dommage, parce que c'est pour ça que vous avez 15 morts. Hein. Là, c'est votre placement pur hein, qui fait ça. Donc, je pense qu'il va falloir faire un petit effort, je pense.